sera avec Eric, un entraîneur comblé parce que on a vu une très très grande équipe se chaler ce soir. Oui, je dirais que comme vous avez pu constater, je pense déjà on a vu un grand match. Parce qu'avec deux équipes offensives, nous on avait choisi d'attaquer quand on le pouvait, mais on avait choisi d'attaquer pour essayer de perturber, ce qu'on a bien réussi. Et donc les joueurs ils ont été récompensés de leurs efforts. Et je leur dis bravo. Qu'est-ce qui a fait la différence ce soir ? Qu'est-ce qui a fait la différence ? C'est notre enthousiasme, c'est l'esprit collectif. C'est ça qui a fait la différence. Parce que. Non, mais c'est l'esprit de corps de l'équipe. Parce qu'on a développé un jeu dynamique et tout le long du match. Même si en fin de partie, on a souffert, mais bon, c'était tout à fait normal. Mais on a vu que c'était la valeur du groupe parce que même c'est les remplaçants qui nous permettent de faire la différence. Après la victoire contre Marseille, vous gagnez contre Paris. En fait, vous ne jouiez que contre de grosses équipes, c'est ça ? Non. Ce que je pense, c'est que pour l'instant, parce que je vais rester mesuré, ça monte nos progrès au cours de la deuxième partie de saison. Maintenant, il faut que les joueurs ils soient persuadés qu'on est sur la bonne voie et puis qu'il ne faut pas qu'il y ait de relâchement. Et qu'on continue dans cette voie parce qu'on voit qu'on est capable de pratiquer un football offensif et efficace à la fois. Vous avez été surpris par la fébrilité défensive du PSG ? Moi, je pense que c'est plutôt nous qui les avons poussés à la faute. Parce que vous avez deux choix quand vous jouez contre Paris Saint-Germain. Ou vous dites, on va attendre, on va protéger notre but. Et puis, si on a une occasion sur un coup de pied arrêté ou peut-être une contre-attaque, on peut marquer. Ou alors, on a choisi, nous, la deuxième solution. Est-ce que l'équipe vous a bluffé par rapport à la réaction après l'ouverture du score du PSG, qui tombe au mauvais moment, et après l'égalisation du PSG ? À chaque fois, elle a su rebondir. Elle m'a fait plaisir. Elle ne m'a pas bluffé. Elle a franchi un cap sur ce match-là. J'espère. Je trouve que les progrès sont constants depuis, depuis la reprise de janvier. Mais c'est le temps qui nous le dira. Compte tenu de tout ce qui se dit sur ce Paris Saint-Germain, Galactique, etc., vous avez quand même conscience que ce que vous avez fait ce soir, c'est tout sauf anodin. Ouais, c'est bien. Mais bon, c'est la victoire d'un soir. Il ne faut pas s'arrêter sur ça, quoi. Je veux dire, le maintien, il faut encore prendre beaucoup de points. Au moins 14, si je compte bien, on peut penser qu'à 40. Donc, je pense que si on veut bonifier la victoire de ce soir, il faut qu'absolument on continue dans cette voie et puis qu'on soit régulé dans nos performances. Vous avez un recul, une analyse technico-tactique inhérent à votre job, mais c'est bon là le moment que vous vivez quand même. Comment ? C'est bon le moment que vous vivez, vous avez une analyse très tactique, mais c'est bon. Hein. Ouais, non mais c'est bien, ça fait plaisir parce que on a vécu, et peut-être on vivra encore des moments difficiles, mais le groupe il s'est jamais désuni et la plus grosse récompense pour le groupe, voilà, c'est la victoire de ce soir. Parce que ça confirme aussi un peu la victoire contre Marseille. Parce qu'on peut dire Marseille, c'est peut-être un accident. Au moins, deux fois, ça confirme un petit peu. Et lui de Sio, ça correspond à ce que tu attendais un petit peu de ce joueur ? Ouais, mais bon, sa performance, elle a été aidée aussi par le comportement de l'équipe. Parce que quand tu as toute l'équipe qui est sur la même ligne de conduite, c'est sûr que c'est plus facile de s'exprimer. Contre Valenciennes avait choisi aussi d'attaquer contre le PSG, ils en avaient pris 4 chez eux. Comment vous expliquez que vous avez réussi à les contenir dans leur contre-attaque, notamment ? Parce qu'on sait, que c'est un... Non, mais après, vous avez une part de risque. Peut-être un soir, ça peut rigoler comme nous ce soir. Et puis un autre soir, il suffit que tu te fasses prendre en compte d'entrée et... Nous, peut-être que l'année dernière, on a payé pour apprendre. Je veux dire, à Paris, on avait été aussi pour attaquer. Les joueurs, ils voulaient attaquer parce que notre philosophie, c'est une philosophie offensive. Je pense que les joueurs, ils sont chez nous, ils veulent s'épanouir à travers le jeu offensif. C'est votre premier match ce soir ?
ton avis ? Je pense que ouais, au niveau de la plénitude technique et physique, c'est le meilleur match. Eric, philosophie offensive, d'accord, mais jusqu'à maintenant, vous n'avez pas forcément réussi à marquer beaucoup de buts. Là, vous mettez 3 buts au PSG. Ça veut dire quand même que par rapport à tout ce qui se passe depuis le mercato, l'arrivée d'Edouard et Piscio, il y a quand même beaucoup plus de choses, beaucoup plus de choix. Oui, il y a plus de choix, on a plus de percussions, on a plus de maturité aussi parce que Edouard, il est dans sa 4e année en équipe professionnelle, alors que Cédric, il est peut-être que Cédric Bakambou, je parle, il est sa 2e année, donc il faut être patient. Mais c'était quoi ta question déjà ? Philosophie offensive, mais vous ne marquez pas forcément beaucoup de buts. Ouais. J'ai sûr de penser trop au PSG. Mais je pense que malgré la valeur individuelle de l'adversaire, par exemple, style Marseille, style Paris Saint-Germain, des fois, tu as plus d'espace contre ces équipes-là que contre des équipes de bas de tableau où tu te bats pour le maintien. Et donc, ça explique peut-être les buts qu'on a marqués ce soir. Ça veut dire que le championnat est encore long, qu'il y a le maintien, etc. Mais il n'y a quand même pas 5 minutes juste après ce match où vous savourez quand même un minimum. Non, mais ça fait plaisir. Mais moi, ce que je veux surtout, c'est qu'on bonifie ces points qu'on a pris ce soir. Parce que, vous savez, ça, comme je le dis, depuis le début de saison, depuis le mois de mars l'an dernier, on passe notre temps à courir après les autres. Donc si on pouvait être régulier et puis rester un peu devant les autres, ça serait bien. Vos défenseurs ont tenu la baraque contre Zlatan, ils n'ont pas eu peur. Hein. Ben c'est bien, il faut qu'ils continuent alors. Contre tous les adversaires, même les petits, plus petits. Ouais, parce que le football, c'est, comme je le disais, des fois on pense, bon, bien sûr, il y a la valeur collective individuelle des adversaires de gros calibre. Mais il faut mettre la même intensité contre tous les adversaires en L1, parce qu'il n'y a pas un match qui est facile en L1. Et la leçon à retirer de ce soir, c'est bien ça, c'est que quand on met l'intensité, on est récompensé. Bonsoir. Bonsoir. Est-ce que le mec, une défaite logique pour Paris ce soir? Logique parce que ce soir il a fait très bien, il a joué un match costaud, solide, agressif. Alors nous avons eu difficulté de jouer et je pense que c'était un match pour nous très difficile. Même à deux partout, vous ne vous dites pas on a fait le plus dur? Quand vous revenez à deux partout, vous ne vous dites pas non, deux partout, nous avons essayé de gagner, mais ce soir nous n'avons pas eu d'équilibre sur le terrain. Nous avons pris beaucoup de contre-attaques et beaucoup de situations dangereuses. Et c'était le problème de l'Emesque. L'équipe n'a pas eu un bon équilibre, alors nous avons donné beaucoup d'opportunités à Chouchou d'être dangereux. Est-ce que vous pensez qu'il y a eu une décompression mentale après la Ligue des Champions? Oui, mais c'est normal, parce qu'après la Coupe des Champions, dans les matchs de Coupe des Champions, tu donnes beaucoup d'énergie mentale, alors préparer les matchs après sont toujours difficiles. Et ces matchs étaient difficiles. Vous attendiez quand même à une telle baisse de niveau de votre équipe, à ce point-là? Oui, j'ai attendu que... advice, conseil à les joueurs que d'être attentes, surtout au début. C'est-à-dire que nous avons trouvé une équipe adversaire en très bonne condition, avec un très bon jeu. Vos joueurs ont parfois manqué d'agressivité, vous l'avez ressenti sur le bord de la touche? Oui, si on était plus agressif, je pense que la première mi-temps, après les débuts difficiles, après nous avons gagné beaucoup de balles, surtout Verratti, il a gagné beaucoup de balles sur la pression, mais Sochaux, il était plus agressif ce soir. Vous n'avez pas l'air surpris par cette défaite? Vous n'avez même pas l'air en colère? C'est exact? Non, je ne suis pas en colère parce que nous avons gagné beaucoup de matchs. Alors la défaite, quelquefois, elle doit arriver. Elle est arrivée
Et après le match de Champions League, c'est, naturellement, ce n'est pas normal. Nous ne devons pas être contents, mais il est arrivé. Nous devons regarder demain. Rien n'est changé. Je pense que c'était seulement un moment, un match. Le prochain match sera meilleur. Justement, le prochain match, c'est le Classico. Cette défaite ne vous inquiète pas plus que ça, alors? Non, on n'inquiète pas, parce que je pense que c'était un match clair, surtout tactiquement, c'était clair. Nous n'avons pas fait les choses comme d'habitude. Mais pour le prochain match, ça sera différent. Certains pensaient que tout était joué d'avance. Là, Lyon revient à 4 points, donc rien n'est joué encore. Le championnat il est ouvert comme il était ouvert en semaine passée. Rien n'est changé. C'est vrai que à 3 points, il a un petit avantage, mais c'est bon d'être encore à la tête de la ligue. Quels joueurs adverses vous ont posé le plus de problèmes dans ce match? Quels adversaires en particulier? Mais je pense que l'organisation de l'équipe de Sochaux était très bonne parce que c'était une équipe compacte, solide pour tous les matchs, parce qu'ils ont été agressifs les premières minutes et ils ont été agressifs les dernières. C'est une équipe qui est relégable. Il a été surpris justement par le niveau de cette équipe en milieu. Non, j'ai vu beaucoup de matchs de Sochaux, je n'étais pas surpris de la performance de ce soir. Et sûrement, il est une équipe qui il a un classement dangereux, mais je pense que s'il va jouer toujours avec cette attitude, je pense qu'il fera un bon championnat. Après coup, vous ne regrettez pas d'avoir titularisé Chantôme plutôt que Gamero, non? Non, pas de regret, parce que je pense que c'était mieux difficile pour tout le monde, non seulement pour Chantôme ou pour Gamero. Pourquoi avoir donné le brassard à Blaise, Mathieu? Il y avait une raison particulière? Non, parce que Sacco il a préféré ne pas avoir le brassard, alors j'ai donné à Matuidi. Merci. Au revoir. Merci.